là, on a pris en direction département sud, département Grand-Anse. De département Sayo, il y a un travail qui était annoncé là-dedans, il y a des communes qui ont un pile d'efforts qui fait pour changer visage, donc on a parlé de Capérin. Et pendant la fête Saint-Louis, bien avant la fête là, nous sommes capables de souligner, il y a un pile disposition qui est prêt pour qu'un pile dans rue dans Jérémie, ça qui est le bétonné, ça qui est asphalté, asphalté, il y a un travail beaucoup fini. Et c'est pour ça que nous avons une équipe, nous, week-end ça, quand on regarde, comment ça y est, commune travaillent ont commencé dans le sud à Grand-Anse, est-ce qu'ils avancent et dans qui niveau vous voyez? Nous parlons pour nous mettre tout ça, mais bien avant l'image arrivée, je vais saluer Ricardine Desanges. Ricardine, bonsoir. Comment ça y est, qui Jean Caravane avancé dans deux départements visités au week-end? Bonsoir Serginio Lindor, bonsoir avec tous les téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous recroiser avec vous l'autre fois encore pour vous pour nous permettre de gagner de commencer un chantier à exécuter dans différents départements du pays. Et pour week-end ça, Serginio Lindor, nous allons d'abord dans le département Grand-Anse puisque nous sommes entrés dans la ville de Jérémy, nous allons regarder comment la réalité travaille même mieux. Il faut souligner que gagner pendant le week-end qui était marqué, fait partout dans la ville de Jérémy, il y a une disposition qui était prise pour être capable permettre que fait patronal arrive dans une ville qui propre et ensemble disposition ça été constitué nous permettre que gain travail asphaltage qui fait à niveau ville Jérémy. Nous te font passer dans rue ça pour nous regarder comment la population vit réalité ça, changement ça qui opère dans le quotidien comment y a vivre. Et ensuite nous t'es allé tout, nous t'es allé regarder puisque gain l'autre chantier qui continue à exécuter dans ville Jérémy, nous t'es regarder comment chantier ça même y a avancé, gain travail canalisation, gain ensemble l'autre travail qui a fait dans la ville de Jérémy. Et dans ce sens, téléspectateurs, je dis à la possibilité pour capable voir comment travailler ça pour continuer dans la ville de Jérémy. Et là, ensuite, Serge, nous avons pris direction au département sud, mais juste avant de rentrer dans le département sud, là, nous avons campé sur la route Caille Jérémy, route nationale, là, puisque il y a une compagnie Estrella qui a exécuté un travail sur la route nationale, là, qui c'est asphaltage route nationale, là, qui commençait dans le niveau Déron, qui prend le gain pour le bout jusqu'à niveau Beaumont. Et là, pour Kounia, il y aura un niveau 45 km selon toute information que responsable dans le niveau Estrella a même été confirmé pour nous. Et ensuite, nous sommes rentrés directement dans le département sud de Serginio Lindor. Nous sommes allés dans la section 2e, la section communale Torbeck, qui est Béro. Nous sommes allés regarder comment travaille Béro lui-même avancé, puisque il y a une construction de Béro qui a fait, qui est en sur une valeur de 2,5 km. Et pour qu'on y a, selon l'information responsabilité partagée avec nous, au niveau PK2, il y aurait été à peu près 600 mètres pour capable pratiquement finir ensemble avec. 2,5 km là et ensuite il y a bien pour capable de remettre travail ça par compagnie nationale centre national équipement pour capable de mettre asphalte sur route BOA. Donc pratiquement on a invité tous les téléspectateurs et les téléspectatrices télévision nationale de Serge Lindor pour rester branché puisque il y a une possibilité pour capable de suivre tout ça ensemble avec nous aujourd'hui dans l'émission spéciale ça. Et équipement pour week-end ça est constitué de caméraman Hervé Pierre, chauffeur Melchisedec Kajuste et ce que nous pas oublier monteur nous, Grégory Misna qui était ensemble avec nous et c'est moi-même, Ricardine Desanges qui est dans le département sud de la télévision nationale d'Haïti. Nous allons prendre le temps de voir Ricardine puisque l'image est déjà parée. Nous allons regarder qui j'en saillais pour ville Jérémy dans le cadre de travail qui a exécuté dans la ville pour présence caravane changement. Ensemble travail qui déjà fini dans la ville Jérémy, mais il y a divers autres travail qui a continué dans la ville Jérémy, soit dans la zone Kafouba qui est passé dans diverses rues dans la ville Jérémy. Et je dis à l'équipe télévision nationale d'Haïti, nous déplacer, nous aller sur terrain pour nous capable permettre de gagner de comment réalité travail a continué dans la ville Jérémy. Et certainement, téléspectateurs et téléspectatrices, nous invitons à rester branchés puisque nous allons visiter ensemble chantier Sao Pou pour capable permettre de gagner de comment travail a continué dans la ville Jérémy. Programme asphalte 23 rues et qui gagne pour fête et qui fête bien entendu dans Jérémy et puis n'a asphalté et chaussée
Ensuite, nous continuons avec le programme et trottoir. C'est dans ce cadre ça nous est là, dans le programme trottoir. Côté ouais, qu'a fait là son côté, il y a un paquet d'habitants là. Ça veut dire du fait que nous monter trottoir nous hein. OK, nous monter trottoir juste pour aller dans pied pont. Yo même yo gain du mal pour passer à l'en bas. Normalement nous font une petite route pour yo. OK, nous font une petite route pour juste pour passer. Dernier mois c'est un remerciement spécial et pour gouvernement et spécialement et président Jovenel et directeur et TPDCA pour mon Vince. Avant ça pas de jambe bon travail comme ça que fait dans Jérémy. Imaginez pour 23 rues. Il y a pas ça 23 rues, ou asphalté 23 rues. Plus qu'à Foubac depuis longtemps, tu es toujours en poussière qui a bâillé mon problème. Et je dis avec le président Jovenel et directeur Frémont, et puis tout bâillé normal pour la population. On a remercié encore une fois. Le travail ça, là, nous avons un constat qui était pour faire. Et puis, par rapport à mon yo, mais nous n'avons pas la pile aussi de façon que nous avons dit la pile, mais nous n'avons pas comprendre comment nous travaillons. Mais là, nous avons une façon que nous faisons. Et puis, ils viennent très apprécier, et puis toute la population vient très accueillir ça que d'affaires. Nous arrivons pour remercier le gouvernement, nous gagnons, et le président, nous tous, et avec le directeur des travaux publics qui est dans Jérémy, qui travaille très bien, qui nous a souhaité qu'il travaille plus avancé, et puis pour faire plus toujours. Pour la population qui est plus accueillir, et pour le mandat là, qui va continuer plus vers l'avant, et ce n'est pas pour battre le travail, et pour continuer plus toujours. Moi, merci président Jovenel Moïse pour aussi bien le travail ça qu'il fait dans la zone. C'est vrai que tu es un pont là qui est toujours bas en pile problème côté tu qu'on a avec motocyclette, tu qu'on a avec tes d'autres bagailles, qui passe des monde tout qui t'es arrivé noyer tout ça. Et nous content pour bel travail ça président Jovenel Moïse fait. Et ça fait que nous son président qui nous remet en pile et dans le département Grand-Anse juste nous demander pour toujours faire plus d'efforts toujours. Moi, j'aime sentir que me content en pile parce que tout gouvernement qui passe, m'ba j'aime ca bénéficier et c'est pour la première fois qui me bénéficie un bel travail moi que fait dans la ville là à cause des Jovenel. Même senti Jovenel fait me souhait pour mettre 50 gouttes dans poche moi et me féliciter là puis demander le bon travail et me toujours bal demander bon Dieu pour le bal force à courage pour toujours kembe système caravane dans ça la faire parce que c'est le premier gouvernement qui fait en pile jeune bénéficier courage yo bénéficier force yo souhait pour mettre 50 gouttes dans poche parce que responsabilité yo gain petite gain parti l'autre qui passé c'est en l'air yo régler bagage yo mais ça tout Dieu ouais son gouvernement qui vient cap font effort cap travail me remercier. Voilà téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti, vous avez une possibilité pour être capable de suivre ensemble avec nous jeudi à la ensemble rue que nous avons visité dans la ville Jérémy qui a un travail qu'il a fait là-dedans et très certainement nous sommes tout tout capable de idée de comment la population recevoir travail ça et en même temps de profiter encore une fois longe de l'ensure pour aller beaucoup plus loin par rapport avec ensemble difficultés que vivre en dedans rue ça qui déjà a un travail qui a fait là mais espérer que travail ça au continuer d'une façon pour capable faciliter une plus bonne façon pour vivre dans la communauté si là. Ricardine des Anges, télévision nationale d'Haïti depuis Virginie. Merci à vous, Ricardine des Anges, mon ville Jérémy souhaitait travailler ou continuer ou travailler avancer pour ne pas camper. Bon côté pas nous pas camper. Ricardine avec Hervé pour mener nous Kafoubac. Là nous toujours dans Grand Anse, toujours Jérémy bien entendu. Et là c'est permettre téléspectatrices et spectateurs de regarder ensemble avec nous qui ça qu'a fait Kafoubac, qui qualité de travail qui déjà réalisé, ça qu'a gagné pour réaliser, impact ça qu'a gagné sous changement villa de manière générale. Tout ça plus encore avec Ricardine des Anges qui t'a visité week-end là hein, Kafoubac pour TNH.
Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, nous souhaitons permettre de suivre en image certainement comment en réalité diverses rues dans la ville de Jemio-Memioye, puisque nous avons rappelé que le week-end 26 août, c'était fête Saint-Louis dans la ville de Jérémy. Avant, fête là, nous avons une disposition qui prend pour être capable de faciliter que tout le monde qui vient participer dans la fête Saint-Louis dans la ville de Jérémy soit capable de jouer une ville qui est propre. Et dans ce sens, il y a diverses rues qui jouent un travail payant, qui jouent un travail béton. Travail asphaltage et qu'on y a nous se permettre une bonne idée de comment on met travail ça au même lieu et après ça nous te permettre de garder réalité à comment on y a vivre dans zone ça qui gens ça venir aujourd'hui donc très certainement espérer que vous êtes capable de vivre ensemble avec nos réalités qui gagne pour qu'on y a dans ville Jérémy. Regardez des enjeux télévision nationale d'Haïti depuis ville Jérémy. Image de ce que permettre nous, qui s'est changé véritablement, un carrefour bac, et avec l'équipe nous, Hervé Pierre, Ricardine des Anges, nous avions idée, puisque nous avons souligné déjà, pendant la fête Saint-Louis, même avant la fête Saint-Louis, nous avons un ensemble de dispositions, et délégué départemental là, chez la Torchon, nous avons souligné la micro-télévision nationale d'Haïti, un ensemble de travail qu'a fait pour changer le visage de la ville là, et au pape Campella. Il y a avancé, très certainement, le week-end prochain, il y a une fois rivière Corail. Donc, on est Corail, c'est une commune, eh bien, les questions route là fait problème. Et c'est un objectif caravane, c'est river, eh bien, changer visage quoi, faciliter les transports, faciliter la circulation. Et déjà, on sent le travail qui était en main. On a bien pour regarder un thème de suivi, qui ça cap fait. Mais pour qu'on y a, c'est sur route nationale Anne-Bralé, route Kai Jérémien, Jean-Ricard Dindé-Dilian, Gagné, Fimestrea, qui a travaillé. Même travail asphaltage qui t'en met. Image au Paris, Ricardine avec Hervé, week-end ça, il était sous place. On a su comment ça avance. Spectatrice télévision nationale d'Haïti, nous toujours dans le département de Gadesan, mais pour Gounia, nous dans la zone d'Héron, sur route nationale qui mène jusqu'à ville Jérémy et passant par Beaumont. Et là, nous sommes capables de constater que il y a un travail asphaltage qui a fait au niveau de route nationale. Pour Gounia, selon toutes dernières informations, yo et responsable chantier si là, fait nous connaître déjà au niveau 45 km et travail a gain pour arriver jusqu'à Beaumont. Mais entre-temps, il faut que moi signale nous que ces compagnies Estrella qui même a exécuté travail ici là sous supervision l'État haïtien. Ricardine des Anges, Télévision nationale d'Haïti depuis le département Grand Est.
Là, c'était sur route nationale là, avec Ricardine Desanges et puis Hervé Pierre, où Imagio travaille chez Mestria, a pu faire, a avancé, déjà plus qu'une quarantaine de kilomètres déjà asphaltés selon données qui sont disponibles.